bien et bienvenue pour un nouveau vlogmas et aujourd'hui ça sera un vlogmas blabla parce que les jours où j'aurai rien à vous montrer, où il n'y aura rien de divertissant pendant ma journée, j'ai décidé de vous faire des vlogmas où je vais vous parler de choses de ma vie, notamment certaines updates que je dois vous faire parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas partagé ma vie et certaines petites choses. Et aujourd'hui je vais vous parler de mes études. Pour les personnes qui ne le savent pas, même si je ne fais que répéter ça, j'ai repris mes études. Ma rentrée a eu lieu le 19 octobre. Je suis en LLCE japonais et je fais également un DU en espagnol. Cette décision que j'ai prise de reprendre mes études, c'est vraiment fait sur un coup de tête parce que je me suis dit, Eka, t'es tellement dans une lancée où tu perds du poids, tu trouves du travail, pourquoi pas reprendre les études et pourquoi pas faire les études que tu as toujours rêvé de faire, surtout que c'est à portée de main pour toi, et penser également à l'après parce qu'il y a vraiment un vrai projet professionnel par derrière. Donc du coup, comme vous le savez, j'ai postulé, j'ai été prise dans une certaine fac. Je ne vais pas vous mentir que le process a été assez laborieux parce que déjà je suis maman, je travaille, j'ai également ma chaîne YouTube qui me tient à cœur et qui est carrément une priorité pour moi. Donc le processus a été assez difficile. Je me suis posé beaucoup de questions, si c'était le bon moment, si je pouvais le faire et également si je devais déménager parce que je me trouve carrément à 6 heures de temps en train depuis Paris de la ville de ma fac, en sachant que là où j'habite, je suis déjà à 1h30 de Paris. Donc faites le calcul. J'ai même failli ne pas m'inscrire pédagogiquement parce qu'on me demandait de me déplacer et moi clairement c'était pas possible de payer 200 € juste pour faire une inscription pédagogique, juste pour signer un papier parce que ça se résumait à ça. Mais finalement j'ai pu m'inscrire pédagogiquement à distance. Et concernant les cours, c'est assez facile parce que avec la pandémie que nous vivons actuellement, tous les cours se passent à distance ainsi que les examens, en tout cas pour le premier semestre. Donc tout se passe par Zoom ou tout se passe par Zoom asynchrone, c'est-à-dire que les professeurs enregistrent des vidéos comme moi je suis en train d'enregistrer une vidéo actuellement. Et puis après, c'est mis en ligne et nous on peut les visionner encore. Et concernant mon DU en espagnol, c'est la même chose, mais après c'est beaucoup plus simple parce que c'est une formation totalement à distance. Alors que la première, c'est une formation présentielle que moi, voilà, je fais à distance comme pas mal de personnes qui ont des responsabilités. L'une des raisons pourquoi je ne faisais plus trop de vlogs famille les filles, c'est à cause de mes études. Parce que même si j'ai un bon niveau d'espagnol, et d'ailleurs je suis étonnée parce que j'ai conservé pas mal d'acquis que j'avais auparavant. Concernant le japonais, c'est la même chose. Je connais déjà pas mal de caractères chinois qu'on appelle kanji. Je connais les deux alphabets depuis maintenant des années. Je sais comment structurer une phrase simple. Et B, j'avais peur de me laisser submerger par tout ce que j'avais à faire, en particulier les études. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en plus des études, j'ai mon travail, j'ai mes enfants et j'ai YouTube. Je ne vais pas vous mentir que si je n'avais pas mon travail, ça allait être beaucoup plus facile pour moi de gérer les choses. Mais ça me permet d'avoir un certain équilibre, en tout cas pour le moment. Et c'est quand même beaucoup pour une seule personne. C'est bien d'avoir le mindset boss lady, mais qui embrasse trop étreint moins. Donc partant de ce postulat, c'est pour ça que au bout d'un moment je faisais que des diet vlogs ou des vidéos rapidement concernant mon régime parce que j'avais peur de me laisser dépasser. Mais ce qui s'est passé les filles, c'est que finalement récemment, malgré ma pause, je me suis rendu compte que je n'y arriverais pas et que j'ai été beaucoup trop ambitieuse et que j'ai sous-estimé tout ce que ça demandait, la reprise d'études, la fac et les responsabilités que j'ai actuellement en tant que mère de famille, en tant que youtubeuse, en tant que salariée et en tant que personne, en tant qu'Eka. La chose qui m'a mis la claque,
c'est cette note-là. C'est en grammaire japonaise. D'habitude, j'ai toujours des bonnes notes. 15, 16, 17. Je vous mettrai les notes auparavant que j'ai eues les semaines précédentes. La semaine dernière, j'ai 8 sur 20. J'ai eu 8 sur 20 pourquoi? J'ai eu 8 sur 20 simplement parce que j'étais très fatiguée. J'avais du mal à me concentrer et que j'ai fait mon contrôle pratiquement en m'endormant. Je vais pas vous mentir que cette note m'a vraiment donné une claque en pleine face. Ça m'a vraiment retournée parce que si j'ai commencé cette étude, c'est pas pour échouer, ok? J'ai déjà à plusieurs reprises essayé de reprendre mes études et été à la fac parce qu'après le lycée, je suis partie directement à la fac et à chaque fois, j'ai abandonné, mais vraiment pour des raisons stupides alors que je réussissais. Et pour moi, maintenant étant maman, je veux absolument pas montrer à mes enfants que je ne suis pas capable de réussir, parce que si moi je suis pas capable de réussir, comment eux peuvent avoir la motivation pour réussir quelque chose qu'ils entreprennent? Ça me tient également à cœur. Et là peut-être que je vais être un petit peu émotive par rapport à ce que je vais vous dire. Même si la fac ça ne coûte pas cher, les droits d'inscription, les droits d'entrée, c'est ma mère qui me les a payés. J'aurais pu le faire toute seule parce que je suis une grande fille et que j'ai des revenus, mais ma mère me les a payés. Et juste déjà pour ça, je ne peux pas me permettre de ne pas réussir en fait. Notamment ma LCE japonais. Il faut savoir que ma mère m'a payé l'école privée au lycée et elle m'a payé également l'école privée à la fac que j'ai abandonnée et sans vraiment être transparente et être honnête avec elle. Et c'est la moindre des choses que déjà j'aille jusqu'au bout de cette année. Et en fait, il n'y a même pas de... Comment ça s'appelle de... Il n'y a même pas de... d'aller au bout de cette année, mais je dois en fait réussir. Donc du coup, avant que je lâche prise et avant d'échouer totalement, j'ai décidé d'abandonner mon DU en espagnol. C'est vrai que certaines personnes vont me dire « Mais pourquoi tu privilégies le japonais ?» C'est même pas du chinois, parce qu'il faut savoir que le chinois, c'est une langue qui est super demandée, ainsi que le coréen d'ailleurs, mais bon, le coréen c'est pour d'autres raisons. J'ai envie de faire ce que j'ai envie, surtout que j'ai la possibilité de le faire. Cette année, je ne pourrais pas être youtubeuse. Et en même temps, je ne peux pas arrêter YouTube. Ça fait 4 ans que je construis ça toute seule, sans aide, sans relation, et que j'arrive à faire quelque chose de pas mal maintenant. Il est hors de question d'abandonner ça. Je ne peux pas abandonner mes enfants. Il ne faut pas que j'abandonne ma personne. Il faut vraiment que je prenne soin de moi. Et je ne peux pas abandonner ma licence en japonais parce que déjà ma mère l'a payée. Et en plus de ça, c'est une licence que j'ai envie de faire depuis l'âge de 14 ans. Quand j'avais 14 ans et que je m'imaginais avoir mon bac, eh ben j'imaginais aller à Paris Diderot ou à l'INALCO. Donc j'abandonne ce diplôme, j'abandonne cette formation afin de me concentrer entièrement sur ma licence. Au pire, rien n'est perdu, je n'ai qu'à peine 27 ans, l'année prochaine j'aurai à peine 28 ans, c'est super jeune, on ne s'en rend pas compte et je pourrais très bien reprendre avec une LLCE carrément en espagnol, soit en L1 ou soit directement en L2, je verrai bien. Donc du coup, voilà les filles, j'ai également fait une nouvelle organisation pour pouvoir travailler et étudier de manière très effective parce que ne rentrez pas à la fac ou dans certaines formations pensant que vous avez des connaissances que les débutants n'ont pas et que vous allez toujours avoir de l'avance. Moi personnellement, j'avais des fortes connaissances en japonais, mais il y a des choses que je ne savais pas et des choses qui sont hyper simples. Et la cadence va tellement vite que les débutants, les vrais débutants, peuvent rattraper les faux débutants ou les personnes qui sont à un niveau intermédiaire. Mais cette formation que je fais actuellement, certes, la majorité de mes notes, c'est largement au-dessus de la moyenne. Cependant, elle est quand même assez ardue. Et j'ai une grosse pensée à tous mes camarades qui font cette formation en étant totalement débutants. Surtout quand on leur dit que c'est une formation pour les grands débutants. Alors que pas du tout.
Je sais que c'est la bonne décision que je prends actuellement et je sais que cette décision va pouvoir me permettre de réussir la licence que je fais et de pouvoir bien gérer tous les pôles, pôles de ma vie de manière assez équilibrée. Surtout que c'est bientôt la fin du premier semestre et je vous ferai une petite update d'ailleurs par rapport à ça. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, même si on les garde pour les diètes vlogs et les vidéos régime, les partage. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous retrouve demain à 21h30 pour un nouveau vlogmas. Et ça, jusqu'au 1er janvier. Mouah.